Comme son nom l'indique, le point de damier forme une série de carrés ou de rectangles placés en quinconce. Ces petits pavés sont alternativement tricotés en jersey et en jersey en verre pour créer toute une surface en damier, identique sur les deux faces. Il existe plusieurs variantes en fonction de la taille des pavés. Le carré de votre plaid tricoté au point de damier présente des pavés légèrement rectangulaires avec 5 mailles dans la largeur. Dans cet échantillon, les pavés comptent 4 mailles dans la largeur et le point se travaille sur un multiple de 8 mailles. Chaque rangée de pavés compte 4 rangs en hauteur et les mailles en droit et en vert sont inversées entre les rangées pour créer l'effet de damier. Comptez soigneusement vos rangs lorsque vous tricotez afin de savoir où vous en êtes exactement. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un compte-rang. Pour commencer la première rangée du point, tricotez 4 mailles en droit, amenez le fil devant l'ouvrage, tricotez 4 mailles en vert, puis ramenez le fil derrière l'ouvrage. Continuez ainsi à alterner 4 mailles en droit et 4 mailles en vert jusqu'à la fin du rang. Faites attention à la tension de votre tricot, surtout lors du changement de maille, afin que les côtés des pavés soient bien nets. Tricotez 3 autres rangs semblables au premier, puis inversez les mailles en droit et en vert sur le rang suivant. Tricotez 3 autres rangs semblables au 5e rang. Les 8 rangs tricotés forment le raccord du point. Répétez les séries de 8 rangs jusqu'à la hauteur souhaitée.